penses de celles-là? Elles me vont bien, non? 20 euros des imitations, t'as peur de rien, toi? 15 euros, c'est bon? En même temps, celles-là, elles sont plus vraies. 15 euros, t'as dit? En même temps, c'est pas donné, hein. Vous n'avez pas la monnaie? Pas grave. Ah ouais, Tira. Merci, Moussa. Merci. C'est bon, maman, tu vas pas encore lui prendre la tête. Hey, Moussa, tu fais quoi demain? Plus tard, j'aurai la même. Ah ouais? Et tu vas faire comment? J'économise. Tu crois pas qu'il y a des trucs plus importants à acheter qu'une voiture de footballeur? Ah, t'es gentil, toi, j'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Moi aussi, je m'en occupe de ma famille. Hein. T'es chiant à la fin, t'es. Tu crois que j'ai envie de rester petit? Moi, je veux devenir quelqu'un. Et avec une voiture comme ça, t'en imposes grave. Ça va les gars, ça avance. On a presque fini. Quand je vois toutes ces merdes là, combien de fois j'ai dit à ma femme de jeter tout ça? Mais bon, elles en font qu'à leur tête. Hein. Ça pour dépenser, c'est pas les derniers. Hein. Ça amasse, ça amasse. Peut-être la peur de manquer, je sais pas. Vous êtes marié, vous? Non, non. Ben, vous avez bien de la chance. Et sinon, vous êtes d'où? Des quartiers nord. Non, je veux dire, d'où? Du Mali. C'est pas vrai. Mais nous, avec ma femme, on est allé au Kenya. Franchement, on a mis le prix, mais ils sont pas fous de votre gueule. Hein. Un hall inclusive, là. Tout à volonté, les boissons, le buffet, puis l'hôtel, hein. Que des cases africaines avec la clim et tout. Hein. Franchement, le Kenya, je me suis régalé, moi. Piscine, sieste, buffet, re-piscine, re-sieste, re-buffet. J'ai dû prendre 5 kilos. Enfin, vous connaissez le Kenya, hein? Pas du tout. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'Afrique? Des cases avec la clim et tout, là. Les touristes, ils vont en Afrique, c'est pour le soleil, hein, c'est pas pour se frotter aux Africains. Ouvre un peu les yeux, ici, t'as tout ce que tu veux, il suffit juste de donner les moyens de te le payer. Payer, tu sais dire que ça? Alors, il y a aussi gonzesse, baiser, cochonne, le cul et l'or. C'est ça qui gouverne le monde, le cul et l'or. Un peu léger, monsieur Dédé. Hein. En plus, vous savez, on est dimanche, c'est censé être payé double. Ben, t'as qu'à aller plaindre l'inspection du travail. Dis-moi, Bib, tu veux travailler ou tu veux pas travailler? Ouais, bien sûr, je veux bosser, vous savez bien, monsieur Dédé. Alors, tes revendications salariales, tu te les carres au cul. Vous énervez pas, monsieur Dédé. Vous savez bien qu'avec mon cousin, du boulot, on peut en faire deux fois plus. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Ben voilà, je préfère quand tu parles comme ça. Hein. Alors tu m'appelles mercredi, je te dirai s'il y a du taf pour toi. Allez, dégage maintenant. Allez, Chouki, viens. Merci, monsieur Dédé. Chut.
enculé. Hein. T'as trouvé que ça, Lufocha, cette enflure? Bah ouais, et j'ai besoin de rien d'autre. Ah, je peux te dire que c'est pas en cultivant le look que je viens du bled que tu vas les avoir, tes papiers. Faut te saper, cousin. Si tu veux marier femme blanche, il faut t'habiller habillé comme un prince, pas comme un clochard. Ouais, ouais. Ali, chut. Putain, si ça continue comme ça, on va finir par se faire coincer. Peut-être c'est mieux. Chut, chut. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou ou quoi? Jamais je me laisserai expulser les mains attachées dans le dos. C'est la honte. J'entrerai au pays quand je l'aurai décidé. La tête haute et les poches pleines. Est-ce que tu crois encore? Oh, tu déprimes ou quoi? Pas chez ma cousine ce soir, on va faire la fête. Comme au pays. Bonsoir, c'est Ali qui m'a invité. Ali n'est pas là, on l'a arrêté. Habib, c'est les 150 euros pour le mandat. 150 euros? Tu veux comment pour envoyer autant d'argent à ta famille? On garde un peu pour toi? Ouais, ouais. Ça fait un moment que nous n'envoie plus rien au pays. Hein. Un petit colis par-ci par-là, de temps en temps, rien de plus. Oui, mais moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Oui. Ah, je sais bien, je te dis pas de laisser tomber ta famille, mais bon, faudrait que tu penses un peu à toi. Faut que tu t'intègres, tu sors jamais, tu restes entre nous. Des blagues, toujours des blagues. C'est normal que tu bois du noir. En parlant d'intégration, question look, t'as tout à revoir. Hein. Regarde, Nike Air Argent, A360. Dernier modèle, direct tombé du camion, 50 euros au lieu de 120. Ça, à 50 euros, je peux te dire que c'est une putain d'affaire. Hein. Et avec ça, au moins, tu ressemblerais à quelque chose. Hein. T'envoies les 150 euros à ma mère. Hein. Ça. Aïma, Kanadjore, la Bébénia. Moutou Refel. Aï, Matafalola, Menimbe Sembeta. N'essaie de commencer à mon téléphone sur un kacha. Nous m'a fait kafo. Nicolo la masse et kawari chamachi. N'y a seul rendre de chi. Mais n'y a pas de chamachi. N'y a pas de chamachi. Mbadi. Abedi. M'entendez que comment kama chamake. Comme vous faut, hein. Comme vous faut que ce soit. Amina. N'importe quoi. Tu vas faire la plus grosse connerie de ta vie, hein. Tu vas tout perdre. Hein. Pour
ce que j'ai ici. Attends, pour ce que t'as ici, attends, t'as un toit, t'as à manger, tu gagnes tous les mois de quoi envoyer tes putains de mandats. Attends, ça fait à peine 2 ans que t'es là. Sois patient, ça va bien finir par payer. Hein. La Bible. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas encore fini. Hein, faudrait voir où bouger le cul. Je vais pas passer la nuit ici, moi. Ah, monsieur Dédé, faut qu'on aille doucement, hein, c'est fragile. C'est fragile, ouais, mais c'est pas de la porcelaine de Limoges. Alors joue pas au camp avec moi. Hein. T'as 5 minutes. Ok. Chouki! Et. Tiens. Et tu comptes faire comment? Je sais pas, l'avion. L'avion? Et ton billet va tomber du ciel? Yeah. En plus, excuse-moi, mais sans papier, ça va être dur de te faire passer pour un touriste. Hein. Je fais comment alors? Tu fais comment? Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te démerdes en tout cas, hein. Tu comptes pas sur moi. Hein. Je t'avais dit quoi, hein? On me bédit son rond. Rien. Pourquoi? Charles Carvanec. Ah, t'as bien pu être adopté par des Bretons. Ah ouais? Né à Quimper? Bah, t'as pas été adopté, t'es né en France d'un père breton et de sa conquête coloniale. Allez, t'inquiète, ça va passer. Oh putain! Ah, je t'avais bien dit, c'est du pas cher. Sinon, t'es pas claustrophobe? Fais bien attention de pas te faire remarquer. Costaud comme tu es, je te conseille l'escalade. Et t'as intérêt à tirer sur les bras. D'après ce qu'on m'a dit, les voitures sautent au fond derrière les containers. C'est des occasions qui partent pour le bled. T'auras plus qu'à y passer la nuit et au petit matin, c'est direct l'Algérie. Une fois là-bas, tu te démerdes. Tu bouges pas. Allez. Papier d'identité, autorisation de vente sur la voie publique. Encore un qui veut jouer au plus court. Écoute, si tu veux jouer à ce jeu-là avec nous deux, t'es pas sûr de gagner. Vous avez vos papiers ou vous les avez pas? Des papiers d'identité? Bah oui, les papiers d'identité, carte de séjour, tout ça, hein? Non, j'en ai pas. Naturellement, tu vas nous dire que tu les as oubliés à la maison, c'est ça, et que tu nous les ramèneras demain au commissariat. Non, j'ai pas de papiers. Il cherche quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches à nous embrouiller ou quoi? Non, mais je réponds à votre question. Calme-toi, je m'en occupe. Je peux savoir pourquoi vous n'avez pas vos papiers? Parce que je suis un clandestin. Putain, c'est un clandestin. Putain, je l'ai senti, j'en étais sûr. Vous êtes d'où? Tu crois qu'il va te le dire? Attends, il est pas fou, il connaît tout ce gars-là.
Il attend délai légal et peut disquiver, il se balade dans la rue tranquille. Ils sont malins, putain. Presque, je suis malien. Oh putain, c'est bon, là on embarque, merde. Attends, Denis, Denis, tu bouges pas, toi tu bouges pas. Denis, t'as vu quelle heure il est ? Là, si on l'embarque maintenant, on n'est pas rentré. C'est un clando, putain. Calme-toi. Je sais que c'est un clando, et alors ? Il y en a des millions de clandos. Tu veux régler le problème de l'immigration à toi tout seul ? Non, 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 je veux faire mon boulot, c'est tout. Ça m'arrangerait que tu fasses pas ton boulot à un quart d'heure de la fin du service. Parce que moi, j'ai les gosses à déposer à la crèche. Ouais, c'est pas réglementaire. Oui, d'accord, mais tu sais comment ça va se passer. Là, il se tient tranquille, et puis dès qu'on va lui mettre les menottes, il va hurler à l'injustice, il va se rouler par terre, il va se cogner la tête, et nous, on va passer la journée à expliquer que c'est pas nous qui l'avons tapé, et qu'on a fait juste notre boulot. Fais chier, putain. Et demain, si tu veux, on repasse, on en coincera un autre, il y en a plein, là. Hein? Même deux, si tu veux. Mais là, je suis trop à bout. Oh, c'est bon, allez, on passe l'éponge, allez. Hein. Allez, circule. Ça... Allez. Circule. Mais le sac, on l'embarque. Je suis un clandestin. Toi, je t'ai à l'œil. Hein. Tu sais quoi ? J'ai la mémoire des visages. Denis ! Ouais ! Si tu veux vraiment obtenir cet emploi, il va falloir faire des sacrifices. C'est 150 euros le poulet et 500 euros la chèvre. La chèvre, c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus sûr. Tu réfléchis bien, tu reviens me voir demain. Merci beaucoup. Abim m'a expliqué pour ton problème. J'ai peut-être la solution. Avec ça, tu peux te balader partout dans l'aéroport. C'est le mien. En cas de contrôle, tu n'as aucun souci à te faire. Un noir, c'est un noir. Pour un vigile, nous sommes tous pareils. Le truc, c'est de pouvoir te rapprocher du bon avion au bon moment. Je te dirai comment faire. Si tu suis mes instructions à la lettre, tu feras un voyage confortable. En soute, avec les bagages et les animaux. Je ne te demanderai que deux choses. La première, de me renvoyer mon badge dès que tu seras à destination. Ça pourra toujours rendre service à quelqu'un d'autre. La seconde, une petite compensation financière pour le service rendu. Voici un timbre du pays. Tu mettras l'adresse de ton cousin sur l'enveloppe. En cas de souci, je dirai comment voler mon badge. D'accord ? Ça y est. Cette fois, c'est là-bas. Ouais. De toute façon, si je me fais repérer, ce que je risque, c'est de me faire expulser, non ? Quand on aura fini ce que tu as à faire, je suis sûr, tu voudras revenir et il te faudra de l'argent pour les passeurs. C'est gentil, mais garde ton argent. Tiens, 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 attention, tu me rembourseras et je peux bien me passer de voiture. Et quand tu reviendras, on ira ensemble chez le concessionnaire. Je sais bien que t'aimes pas les bagnoles, mais ça me fera plaisir. Tu devrais faire un tour du côté du toilette du personnel. Tu dois avoir un chaud de boucher. C'est dégueulasse. D'accord. Hein? Ouais. Ça va? C'est bon? Ouais, c'est bon. Courage alors. Merci.
PC1, PC2, problème réglé. Ok, reçu. La 360, tu as vu? La fois ça fait la diarra là. Hé, les gars, les gars, les gars. Et puis voilà.